Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une petite pépite, quelque chose qui me faisait envie depuis pas mal d'années. La Morgan Super 3. À l'époque, c'était la Three-Wheeler. Et là, c'est la Super 3 évolution de cette voiture qui existe depuis 1909. Plus de 100 ans que ce modèle existe au final. Je vois que vous n'êtes pas tous abonnés. Si vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner, on est bientôt 100 000 sur la chaîne et je vous avoue que moi ça m'aide énormément à vous proposer ce genre de contenu, à vous faire plaisir, à me faire plaisir et en faire toujours plus. Allez, je compte sur vous. Avant Noël, les 100 000, vous y croyez? Moi j'y crois. Elle a pas mal évolué depuis, même depuis la dernière génération, où on avait un moteur de moto, un bicylindre sur la partie avant, directement posé ici entre les deux phares avant. Et là, ils ont changé. Le moteur se retrouve un petit peu plus loin. Ce n'est plus un bicylindre, mais c'est un 3 cylindres d'origine Ford. Cette fois-ci, il développe 120 chevaux, 150 Nm de couple, et c'est une version atmosphérique. Transmission par courroie à l'arrière, une propulsion, et c'est bien une version 3 roues comme vous pouvez le voir. Comme d'habitude, je vous emmène faire le tour de cette voiture, je vous fais découvrir toutes les caractéristiques techniques et ensuite on va l'essayer sur tout type de route, vous me connaissez, il va y avoir de la ville, de l'autoroute, des petites routes si on est à la campagne et voir ce que ça donne en un petit peu dynamique et une utilisation au quotidien. Morgan fait plusieurs modèles, il y a la version plus 4, la version plus 6 et ce Super 3. Merci à la concession Beaumont Automobile qui me prête ce véhicule aujourd'hui. C'est une concession qui se trouve dans Paris, dans le 15e, où il y a pas mal de Morgan. Ils sont revendeurs officiels et ils ont aussi d'autres petites pépites qui traînent de temps en temps, qui peuvent être en dépôt-vente ou que vous pouvez acheter. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Et si vous êtes dans Paris et que vous êtes collectionneur et amateur de belles voitures ou de Morgan, à leur rendre une petite visite. Donc, on en est à la troisième génération de cette Morgan. La deuxième a duré aussi pas mal de temps. Bon, les performances, un 0 à 100 en 7 secondes, une vitesse maximum de 209 km/h, ce qui est beaucoup plus que l'ancienne. Par contre, au 0 à 100, on perd un petit peu. Elle s'est alourdie, elle fait maintenant 653 kg, c'est en gros 110 kg de plus que l'ancienne version. Au niveau de la taille, cette voiture, elle mesure 3,58 m de long, 1,84 m de large, ce qui est plutôt large pour ce genre d'auto, et 1,13 m de haut. La partie la plus haute, c'est les arceaux au-dessus de votre tête pour vous protéger en cas de retournement. 653 kg, ça reste relativement léger. 120 chevaux, ça reste relativement puissant pour ce poids. On va dire que les voitures traditionnelles, ça pèse entre 1 tonne et 1 tonne 5 et elles font entre 90 et 130 chevaux la plupart du temps. Donc imaginez-vous, on peut quasiment diviser par deux le poids de certaines voitures juste ici. Morgan, ça reste toujours une marque anglaise. Au niveau du tarif, ça commence à partir de 58 000 euros pour la version de base. Ensuite, on peut la personnaliser. Au niveau de la personnalisation, on a 35 couleurs disponibles de base sur le configurateur, mais on peut faire la couleur qu'on souhaite. En brillant, en mat, en satiné, vous en faites ce que vous voulez. Après, c'est les options qui chiffrent petit à petit. Au niveau des intérieurs, les sièges, le cuir à l'intérieur, on peut avoir 16 couleurs différentes, ce qui est vraiment top. C'est une voiture qu'on peut personnaliser partout. Ça, je peux l'avoir d'une couleur, ça d'une autre couleur. Je peux vraiment faire ce que je veux. 58 000 euros pour la version standard et celle que je vous présente aujourd'hui, elle coûte environ 75 000 euros avec les options. Par contre, le gros avantage qu'on a, c'est pas considéré comme une voiture, c'est considéré comme un tricycle. Donc, zéro malus. Ça, ça reste un avantage de nos jours. Au niveau du châssis, on a un châssis aluminium et on peut le voir même là sur les extrémités ici, toute cette partie alu. Et à l'intérieur, c'est bien travaillé, on voit que c'est une voiture qui est faite à la main et j'aime beaucoup. Au niveau du moteur, c'est donc le 3 cylindres de chez Ford qui est passé cette fois-ci en Atmo, 120 chevaux et qui est couplé à une boîte de vitesse de Mazda MX-5 en 5 rapports. La MX-5, c'est quelque chose qui est top et je sais que la 5 rapports est quand même plutôt recherchée sur les Mazda. Même les 2 litres, il y en a eu des rarement en 5 rapports et c'est quelque chose qui est un petit peu plus fun. Et tout ça qui est transmis par courroie à l'arrière, une courroie renforcée de carbone et de Kevlar pour transmettre tout ça à une monoroue à l'arrière. Voilà, là sur l'avant, on peut voir que c'est une voiture totalement atypique grâce à ces roues qui sont bien déportées totalement à l'avant. Et vous savez, normalement on dit qu'il y a un porte-à-faux avant. Là, il n'y a pas de porte-à-faux avant, les roues sont vraiment expulsées aux deux coins de la voiture, on ne pourra pas dire aux quatre coins, puisqu'à l'arrière, cette voiture est vraiment en forme de goutte d'eau. Et là, je me tiens sur la partie qui est la plus arrondie. Donc, forme de goutte d'eau plus grosse sur l'avant qui s'est, je sais pas comment, qui s'amincit sur la partie arrière. Et ce look totalement caractéristique de cette voiture, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment basse, surtout lorsque je me tiens ici. Donc, cette partie qui est la plus haute,
On peut voir ici qu'on a un pare-brise qui est en option. On a quatre choix, soit ne pas en avoir, soit avoir celui-ci en jaune, jaune-orangé comme ça, soit en transparent. Sinon, il y en a un plus gros qui protégera un petit peu plus et qui permettra de ne pas avoir à mettre de lunettes ou autre. On a plein de petites attaches ici, 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 ici pour pouvoir mettre des accessoires partout, que ce soit ici ou sur les côtés, je vous montrerai ça après, ou à l'intérieur de la voiture, on peut avoir des accessoires qui se vissent partout. C'est une petite option que je trouve vraiment sympa sur cette auto. Sur l'avant, ensuite, j'ai l'impression avec ces grandes roues que ça donne un style un petit peu Bugatti, les Type 57, ce genre de choses. Ça rend vraiment hommage à ces voitures d'époque que j'adorais tant avec ces longs capots, ces positions à l'arrière. Et j'avoue qu'il y a un petit style de ce style-là. Bon. On passe ensuite à des feux bien ronds ici, qui sont bien sûr en LED. On a les clignotants sur les côtés, des petites LED partout, full LED. On a même les 6 billets LED en plein centre, qui rendent cette voiture encore un petit peu plus sympa. Donc ça, on a juste à enlever les petits caches ici. Et ensuite, on a des projecteurs supplémentaires. Sur l'avant, on revoit ce châssis ici tout alu et la suspension spécifique, suspension à tirant, comme on retrouvait sur certaines voitures d'époque, et des suspensions qu'on peut voir apparentes directement avec l'amortisseur. On n'a pas de réglage spécifique, mais en tout cas, pour faire de la mécanique, c'est quand même plutôt pratique et on voit ces triangles sur le haut et sur le bas. On voit la crémaillère de direction qui est positionnée juste ici, donc avec les soufflets directement. Donc là, on voit la direction. Je trouve ça vraiment cool de voir la mécanique, surtout quand on aime ça. C'est quand même assez atypique. Et même sur une 4M, les roues sont placées plus loin. Là, on a vraiment tout qui est exposé sur l'avant. Quand on est là également, on voit l'intérieur de ces jantes en 20 pouces et des pneus spécifiques. Comme vous pouvez voir, les pneus sont très fins à l'avant. On a un pneu un petit peu plus large sur l'arrière au centre, mais des pneus spécifiquement développés avec Avon pour cette voiture. C'est des pneus bien sûr tubeless et avec cette forme ballon qui donne ce style néo-rétro. On retrouve le beau logo Morgan en plein centre ici, posé sur ce vert. C'est le vert anglais, je le trouve incroyable. Et même avec cette sellerie verte, même avec la sellerie un petit peu marron, vous savez, les marrons un petit peu foncés, ça aurait été super comme config. Sur le côté, donc on peut voir à l'avant ces énormes roues, donc jantes de 20 pouces. On a un seul modèle, mais différentes couleurs, et ces pneus, donc les Speedmaster. Ensuite, sur le côté, on a ces grands panneaux ici, donc on a ces attaches encore sur le côté où on peut accrocher comme de l'autre côté. Par exemple, les tendeurs, on peut mettre des packs de bagagerie, des valises spécifiques, des valises souples, des valises dures. On a vraiment plein d'options, ça c'est sur le configurateur. Et je trouvais ça assez incroyable et cette idée est quand même géniale puisque le coffre qui se trouve ici n'est pas forcément très très grand. D'ailleurs, au centre de ce coffre ici, on retrouve la trappe à essence où on pourra faire le plein et juste derrière encore une petite attache spécifique pour mettre des accessoires. Cette partie-là, donc un peu creusée avec le numéro, bah, je trouve ça vraiment très cool. Et on a les ventilateurs avec les sorties qui ressortent sur le côté, puisque effectivement, il faut bien mettre des sorties d'air avec les ventilateurs et les radiateurs à cet endroit-là. Petit rétro ici, avec le look bien sûr rétro. Et encore, petite attache pour ouvrir le capot. Alors, c'est des petits quarts de tour ici, très simplement. Et ensuite, on soulève le capot ici, qui est en fibre, très léger. Et donc, en dessous, on peut voir ce moteur de chez Ford, le 3 cylindres. Le côté très atypique, c'est il n'y a pas de roue arrière. Juste ici, en fait, on a une voiture qui s'affine énormément sur l'arrière. Bon, c'est totalement différent. On peut avoir également un porte-bagages qu'on pourra poser ici, 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 pour poser encore des malles. On pourra vraiment se faire des road trips avec cette voiture, sous condition qu'il fasse quand même un minimum beau, même si tout est protégé. Hein. Ces cuir ou ces tissus qu'on va mettre sont faits pour résister à la pluie et autres. Mais je pense que c'est un petit peu moins fun quand même sur la route lorsqu'il pleut. On a des couvre-tonneaux qui sont disponibles en 8 couleurs, il me semble, qu'on peut personnaliser également. Et ensuite, on a des attaches pression tout autour. On a des plus rapides et on a des parties séparées entre la gauche et la droite. Pour, par exemple, si je veux conduire tout seul, je peux juste laisser ma partie ouverte. Sur la partie arrière, donc, on voit vraiment cette forme qui s'affine et on a l'impression que sur le bas, c'est clairement une baignoire. Sauf qu'il y a un pot d'échappement qui sort juste ici. Alors, il passe par en dessous des sièges et il vient ressortir à cet endroit-là avec ce côté blanc très sympa. Pareil, les feux arrière ici, tout est en laine. On a un réflecteur sur le côté et c'est des toutes petites parties qui rappellent vraiment les voitures de l'époque où il y avait des tout petits phares. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais même une 4L à l'époque, ça avait ce genre de petits feux arrière. Il y a vraiment tous les codes. On a encore le châssis ici qui va vraiment de l'avant à l'arrière de la voiture. Ici, c'est vraiment le métal avec gravé Morgan directement à l'intérieur. Et donc, pour ouvrir le coffre, il faut bouger une languette d'un côté et de l'autre. Il faut rappuyer, il faut ressortir. Alors, c'est pas le truc le plus pratique que j'ai trouvé. Et je sais jamais quel côté. Voilà. Et quand on ouvre,
bien le coffre s'ouvre de cette façon et on a accès à un compartiment où il y a le réservoir d'essence au milieu et sur les côtés on a un petit peu d'espace. C'est pour ça que la bagagerie sera quand même des accessoires quasiment assez indispensables à cette voiture, sauf si vous partez sur la journée, mais pour se faire des petits road trips, ce sera bien d'avoir de quoi ranger des choses sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a le pneu qui est juste ici, donc c'est un avant spécifique également à cette voiture. Alors, il conseille qu'une seule montre de pneus. On peut le changer bien sûr, mais à ce qui paraît, celui-ci, c'est celui qui tient le mieux la route dans toutes les conditions. Et faire attention puisqu'on n'a pas d'ABS, on n'a pas d'ESP et on a une seule roue à l'arrière, donc ça peut partir assez vite en glissade. Allez, je vais vous faire découvrir l'intérieur de cette voiture. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Mais regardez, enfin, ce look déjà, quand j'arrive ici, cette sellerie cuir. Donc ça, comme je vous dis, on peut personnaliser comme on veut, la carrosserie, les couleurs qu'on souhaite. Enfin, ce verre est vraiment très joli, tout comme là, cette partie cuir. On a les ceintures qui se trouvent au centre et on viendra boucler la ceinture de ce côté. Alors, il ne faut pas être trop gros parce que sinon, ça va être pas facile vraiment d'aller mettre cette boucle juste ici. On a le petit rappel Morgan ici brodé. Donc ça, c'est pour ouvrir le coffre. Donc on balance à gauche et à droite. Les petits supports dont je vous parlais, donc on en a là, on en a ici, deux au centre, un là-bas. Et d'ailleurs, on en a même un en dessous qui nous permet d'avoir par exemple ça, le porte-gobelet. Ensuite, je resserre et petit truc tips, c'est juste en dessous ici, on a cette partie. Et là, par exemple, j'ai même mon support de téléphone avec le quad lock qu'on connaît et que je peux remettre ici. Et ensuite, que j'ai juste à visser. J'ai mes petites lunettes pour tout à l'heure. Et donc, ce rangement est quand même bien pratique également. Hop. De ce côté-là, mon siège, on peut voir qu'on a une petite marche ici pour s'appuyer pour rentrer dans la voiture. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur et le pédalier, lui, est réglable en avance puisque lui, malheureusement, devra bouger puisque le siège, comme vous pouvez le voir, ne bougera pas du tout. Il est fixe, donc il est directement monté sur le châssis. Pour s'installer, je mets un pied ici, je cale mon talon, j'enjambe deuxième patte, je fais glisser et j'arrive à l'intérieur. Donc le volant, comme je vous disais, réglable. Pour démarrer, la clé se trouve ici. Compteur ici en numérique. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop. Et là, la vitesse en km/h de ce côté-là. Et de ce côté-là, les autres infos que je peux faire défiler grâce au petit bouton ici. Donc au niveau des infos, j'ai les tours minutes, la consommation, 7,6 litres en s'amusant un petit peu. Il fait 23 degrés aujourd'hui. Elle a 2000 km. Et la luminosité des compteurs, on peut voir ici qu'on a un contour, la réserve d'essence sur le côté, alors je ne sais pas si vous voyez bien, et de ce côté-là, le rêve. Ensuite, il me dit qu'il y a les feux, etc. sur la partie basse. On a quelques petits boutons juste en dessous, façon avion, j'adore. Le klaxon, ici, warning, démarrer la voiture, les feux avant et les antibrouillards ici. On a les sièges chauffants sur cette partie-là. Sur deux positions, pareil pour le passager, la ventilation. Ici, la ventilation qui souffle de l'air chaud. Et même l'USB pour avoir deux USB ici en 2,1 ampères pour recharger votre téléphone, ce qui est bien pratique. Ça, c'est le frein à main. Donc, on appuie vers le bas pour le verrouiller, déverrouiller vers le haut. La boîte de vitesse manuelle, donc la 5 rapports de chez Mazda, avec un petit débattement tout court, hop, comme on peut le voir. La marche arrière, ici. Pommeau en alu, très sympathique, et pareil on peut voir là et on voit même à l'intérieur directement le châssis hein, là plus toute la tôle autour. On a les tableaux de bord qui sont disponibles en bois qu'on peut personnaliser également, et donc ça, ce saut de vent ici qui est un vrai plus hein. Sans pare-brise, je trouve ça un petit peu plus embêtant, on se prend vraiment beaucoup de vent. Et le volant bien rond, et comme vous pouvez le voir, il est vraiment à ras de la carrosserie. Donc ici voilà l'espace qu'on a. Et lorsqu'on est là, on a quand même cette partie qui peut servir d'accoudoir en cuir, et là les attaches. Et là, on voit directement ses bagages, si on a mis ses bagages à cet endroit-là. Et surtout, on voit bien les roues. Donc dès que je tourne, je vois ce qui se passe à l'avant, tout comme mes feux. Et lorsqu'on est là, on voit ça. Et je vous avoue que la vision vue d'ici est quand même très agréable et j'adore. Les infos, voilà, je vous ai tout montré, pas de CarPlay, tout ça, c'est vous posez votre téléphone, la simplicité, mais on a quand même de la technologie avec des compteurs numériques, je trouve ça vraiment pas mal. Les rétros sur les côtés, les petits ronds de chaque côté, le porte-gobelet, je vous l'ai montré, et puis je pense qu'il ne reste plus qu'à la démarrer, donc pour démarrer là, et ensuite, démarrage ici, pied sur le frein, et elle démarre. Et là, you
ça chante quand même un petit peu. Il y a de quoi se faire plaisir. Bon allez, c'est parti, en route. C'est parti à bord de cette super 3, donc 3 roues. On va commencer en région, même dans la ville, faire un petit tour de Paris et ensuite se diriger vers des petites routes plus sympas pour prendre du plaisir avec cette voiture. Ce qui est bien, c'est qu'on est exposé à tout. Là, par exemple, il y a des petites abeilles, bah, je les entends voler autour de mes oreilles. Hop, j'enlève le frein à main. Première, monsieur, à bientôt. J'enlève les warnings et c'est parti en ville pour commencer. Alors, je vais devoir me faire demi-tour. Le clignotant, il est là avec cette petite commande en alu. C'est plutôt sympa. Ce que j'adore, c'est là, c'est une belle journée. Je prends le soleil. C'est ultra plaisant. Alors, on entend tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, comme un cabriolet. Mais là, c'est vraiment le kiff parce que là, j'ai ma main dehors. Je peux toucher par terre. Donc, on est vraiment dans une autre ambiance. Et ça n'a rien à voir avec une voiture de d'habitude. C'est un peu comme une Caterham, je trouve, parce que bah, pareil, on a le coude dehors, enfin, vraiment sur la carrosserie, on sent tout, on voit tout. Non. L'échappement qui est assez sympa. Alors, il y a monsieur Macron qui vient de passer là, on va essayer de ne pas renverser la police. Alors, ouais, j'essaye de faire demi-tour, je fais ce que je peux. Hop là. Et c'est parti. C'était là, parce qu'il y a monsieur Macron qui vient de passer là il y a 20 secondes. Bon, nouveau moteur, nouvelle boîte sur cette voiture. On peut voir que ça se roule super bien, même pas dans les tours. Je suis à 1600 tours. Juste profiter. On a un pédalier très rapproché, on a un petit peu de couple. Alors sur une grosse voiture, on ne sent pas trop, mais là, comme c'est hyper léger, on sent vraiment la différence. Non, c'est quand même très sympa. Hein. Alors, hop, le but maintenant. Si, comme j'ai pas mis mon téléphone comme il fallait, là, parce que normalement, je suis censé mettre à l'endroit où j'ai mis cette caméra. Hop, on passe, il faut faire attention parce que ça reste quand même un petit peu large. Ça fait 1m85 de large. Faire attention que les voitures voient. Hop, on va passer par là. Ça bouchonne un petit peu. Merci. Et avec ce genre de voiture, les gens sont un petit peu plus sympas avec vous. Parce que c'est tellement atypique et les gens se disent « Oh putain, ça a l'air cool !» On va rouler même bas dans les tours, comme ça en ville, chill. C'est un vrai régal. J'adore. Et le regard des gens, c'est tellement plaisant. Je vous regarde avec un air « Mais qu'est-ce que c'est que cet engin ?» Et c'est vrai que bah, c'est tellement atypique. Alors là, c'est une rue très dégradée. C'est un petit peu ferme, le dossier est un petit peu ferme aussi, mais par contre ce qui est bien c'est que c'est adapté aux grandes personnes. On peut vraiment rouler à la cool. C'est jour de marché, c'est pas là qu'on tourne. Et après on arrive dans les bouchons, même les enfants, enfin ils adorent. C'est juste incroyable. On va laisser les gens passer, mais j'adore. C'est hyper original, c'est facile à conduire. On n'a pas de direction assistée, mais comme c'est plutôt léger, c'est pas gênant. On a des pneus qui sont pas extrêmement larges, donc ça permet de pouvoir braquer avec plutôt de l'aisance. Allez, on continue, on va aller se faire un petit bout de périph', on va sortir de Paris et de la ville pour pouvoir aller se faire un petit bout de plus roulant, voir ce que ça donne également. J'aurais peut-être dû me prendre un petit chapeau, un petit bonnet aujourd'hui. Bon, en tout cas, déjà un queue du régal. C'est facile à conduire, c'est plaisant. Là aujourd'hui, il fait super bon. J'ai quand même mis le manteau, il doit faire 18 degrés. Là, ça va se réchauffer, on est encore le matin. Mais j'adore le regard des gens, c'est tellement plaisant. Les enfants sont juste hallucinés de voir ça. Ils sont là, genre, oh, maman, regarde. Et c'est ça aussi la passion automobile, je trouve. Par contre, la coupe, waouh. J'aurais peut-être dû mettre un truc sur la tête. Je vais pas être très sexy aujourd'hui. Mais bon. Le plaisir. Et elle est franchement facile à conduire. On a le pédalier qui est un petit peu spécifique, qui est décalé un petit peu sur le côté gauche. On le ressent quand on conduit. Il faut bien faire attention lorsqu'on passe de la pédale d'accélérateur à la pédale de frein, puisque la pédale de frein est très rapprochée de l'embrayage. Mais on peut quand même conduire avec des grosses chaussures comme j'ai aujourd'hui. Il y a certaines voitures où c'est des pédaliers qui sont vraiment tout petits. Là, ça me gêne pas. Je peux quand même conduire avec quasiment n'importe quelle paire de chaussures. L'embrayage n'est pas trop dur. La boîte est facile.
puis ce petit moteur va largement bien, il chante un petit peu. Si on le pousse un petit peu dans les tours, on peut quand même faire résonner un petit peu hein, les petites rues de Paris. Et alors, je pense que c'est rare d'avoir des voitures qui émettent autant la banane que ça. Quoi. Là, il y a un Dodan. On sent que c'est ferme. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on s'y attend pas parce qu'on a l'habitude, vous savez, quand on passe les deux roues d'un côté ou les deux roues de l'autre, de, que la voiture fasse ça. Mais là, en fait, non. La roue là, elle va toucher, donc ça va lever comme ça. Et ensuite, c'est la roue qui est au milieu, juste ici, qui va faire que je monte en fait. Et en fait, ça fait qu'on est décalé comme ça. Et hop, je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit, bah non, c'est les quatre roues. Mais non, on a qu'une seule roue à l'arrière. Et ça, c'est le côté très fun. Et on a ce petit bruit sympa. On sent que c'est pas un moteur qui se veut très sportif. On va voir ce que ça donne en conduite plus dynamique. Mais on peut quand même pousser un peu. Et on sent que l'arrière a envie de jouer assez facilement aussi. Je pense que ça peut être marrant. Des fois, on a des petits pop-up. Je sais pas si vous l'avez entendu. Mais ça peut être très fun. J'ai un petit tunnel. Ça résonne toujours un peu. J'ai dû changer de lunettes pour aller sur le périph. Ça va aller un petit peu plus vite. Pour pouvoir me protéger également. Et comme je vous dis, d'habitude, on fait toujours tout type de route sur la chaîne. Ça accélère pas mal, ça relance bien. On va aller s'insérer. On va faire gaffe. Mais quand même une toute petite voiture. Et là je peux me remettre pas dans les tours et vraiment y aller en mode balade. Et j'avoue que c'est hyper agréable. Alors j'espère que vous m'entendez bien, normalement il n'y a pas trop de vent pour vous là. À la portière dehors et je me balade chill, donc juste attention aux petits cailloux et autres sur certaines routes, donc il faut pas trop coller les autres voitures. C'est trop marrant, là je passe la Seine, il y a la tour Eiffel juste là bas que du régal. Oh là là, j'adore, c'est tellement une autre philosophie comme voiture. Puis là, je suis en 5e à 2000 tours, bas dans les tours. C'est juste parfait. Ça roule. Et même en 5e, j'ai un petit peu de relance. Et comme c'est une voiture très légère, bah, ça réaccélère facilement. Alors, juste, il ne faut pas oublier d'enlever son clignotant. C'est trop bien. Là, je suis à 70. Et en vrai, je le sens quasiment pas. Ça roule vraiment super fluide. Et justement, c'est ce qu'on ne retrouvait pas forcément sur les anciennes, qui était un petit peu plus brutal. Et là, c'est un petit peu changé. Elle est devenue plus facile, il y a moins de vibrations, on peut plus l'utiliser au quotidien. Bon, voilà, arrivé sur l'autoroute, on va se faire un petit bout à 90. Allez, on double. Là, je suis à 80, ça se passe bien. 90, ça relance forcément facilement, c'est très léger. 90 en 5e, je suis à 2800 tours. On entend un petit peu le moteur, mais c'est plutôt plaisant. On entend un peu l'échappement. Et en vrai, je suis comme dans un cabriolet, je prends un petit peu plus de vent. Mais les sauts de vent là ici qui me servent de pare-brise me protègent un petit peu. Et c'est plutôt agréable. À 90 en tout cas. C'est plutôt pas mal. Si je veux relancer un 90-110, allez, pied dedans en 5. 100. 110. Ça y va plutôt bien. Et on va se mettre à droite. On va rester à 110. À 110, je prends forcément un petit peu plus de vent. Je le ressens un peu, mais même au niveau des bras et autres, même si le bras est dehors, eh bien ça reste franchement correct. Juste sur le haut de la tête, là, effectivement,
il y a pas mal de remous. Et comme je dis, voilà, là, avec une petite casquette ou quelque chose qui tient bien, vous savez, les petits bonnets en cuir, là, comme mettaient les pilotes à l'époque, et bien, ce serait vraiment très agréable. Je pense que les lunettes, ici, jouent quand même un rôle assez important dans la protection de mes yeux, pour pas me prendre trop de moucherons et autres. Bon, je me reprends sur des routes plus sympas. On est arrivé sur des petites routes, donc ça va être plus sympa. On va se le faire à la cool dans un premier temps et voir ensuite, en dynamique, ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est avec ce genre de voiture, je suis arrivé en forêt, j'ai tout de suite senti la différence de température et on est vraiment exposé à la nature en fait. Et c'est ça qui est cool. Je me suis baladé comme ça, j'étais là, mon petit coup de... C'est même pas la portière, c'est à la carrosserie. Je peux mettre ma main dehors. Et là, on arrive tout de suite sur les petites routes. Peut se permettre d'admirer, et même en roulant, je prends très cool, là c'est 80-90, moi je suis à 60, je me balade, je chill, et en vrai je suis trop heureux, et à chaque fois que je passe quelqu'un, je rends quelqu'un heureux, et le retour en fait, de plaisir des gens et de satisfaction que ça nous amène, c'est juste incroyable. Je pense que même en Bugatti, on n'a pas autant de regards que ça, étonné. Ça fait tellement plaisir. Et en balade, ce genre de petites routes de campagne, c'est exactement pourquoi ça a été fait. Ou les petites routes de montagne ou au bord de la mer. À rouler de façon plaisir en balade, c'est hyper agréable. Et on peut de temps en temps, on met un peu les rapports. Et se mettre ce petit coup d'accélérateur qui va donner un petit peu le sourire. Parce qu'on a quand même la sonorité, on a le moteur juste là. Et tout est exposé. On a l'échappement à l'arrière. En fait, c'est vivant. Par contre, voilà, on n'a pas de direction assistée, on n'a pas d'ABS. Faut quand même appuyer fort sur les freins pour que ça freine fort. Je pense que de façon un peu plus virile, j'ai essayé un petit peu rapidement avant de reprendre la vidéo. Faut quand même en avoir un peu. Et c'est assez spécial. Je suis un petit talon point. C'est... Et un peu de plaisir. Juste bien faire attention au pédalier. Pas, on n'a pas d'ESP, donc l'arrière peut partir à n'importe quel moment aussi. Donc attention quand on est haut dans les tours. Il y a de quoi se faire un petit peu plaisir. Donc on se le fait plutôt à la cool cette fois-ci, voir ce que ça donne. On augmente le rythme sur le retour. Et vraiment, de cette façon, c'est le kiff assuré, vraiment, j'adore, absolument. Et ce qui est bien, c'est que ça chauffe pas à l'intérieur, contrairement à certaines voitures. On a la boîte qui chauffe énormément, le pont qui chauffe énormément, le moteur. Là, je le ressens pas. Il fait assez frais là dans les bois, mais au mieux j'ai le chauffage. Alors, il me semble qu'il n'y ait pas la clim. On a le chauffage, mais pas la climatisation. Peut-être que l'été, on pourrait avoir un petit peu chaud. Mais dès qu'on se met à rouler, on reprend l'air. Oh là là, sur ces petites routes, quel régal! J'adore! C'est juste incroyable! Je me régale comme jamais. Avec madame, pour partir en petite balade comme ça, quoi de mieux? Allez, ça zigzague un peu ici. Milieu où c'est assez neutre, ensuite ça s'emmène petit à petit, faut quand même faire attention, c'est assez large, on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais on voit bien les roues, ça prend de la place sur la route, et ensuite c'est la position de conduite qui va être peut-être un petit peu spéciale, parce que est-ce qu'on a le coude dehors, mais lorsqu'on va tourner comme ça, au final ça va nous bloquer la main un petit peu à cet endroit-là,
faut vraiment trouver sa position de conduite idéale. Je pense qu'à cravacher vraiment, ça doit être assez sportif. Mais de façon cool. Alors, je pense qu'il faut vraiment rentrer les coudes à l'intérieur. C'est plus pratique. Mais l'alignement en fait du coude est pile poil sur la carrosserie. Donc, chill, aucun souci. S'il faut contrebraquer assez rapidement en glisse, attention. On se disait, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de SP. Pour les demi-tours, ça fait que normalement, ça devrait être assez pratique. Effectivement, c'est assez marrant. Et là, le pneu, on le sent tout de suite. Bon, je pense que le pneu arrière est chaud. Sur la pédale, ça tient correctement. On n'a pas d'ABS pour rappel, hein. Ça accélère plutôt fort. C'est assez marrant. On se prend vite au fait de rouler avec un petit peu de rythme. Des points de pointe. Ça pousse quand même bien. On va pas se le cacher. Alors le but c'est pas d'aller au maximum de la vitesse, c'est de rouler avec un petit peu de rythme. Ça roule franchement bien. On a largement de quoi se faire plaisir. Après, c'est pas une voiture qui est faite pour aller vraiment à très haute vitesse. Faut juste faire gaffe aux pédaliers. Comme les pédales sont très rapprochées, bien prendre deux coups de main. J'adore, les petits talons pointent, la ligne commence à chauffer, commence à avoir des petits crépitements. Et... on sent que c'est plutôt sympa. Ouais, ça peut être viril, hein. Ça peut être très viril. Aucune auto qui vous donne ce genre de plaisir. À part quelques petites marques, il y a les Caterham qui sont un peu la même chose mais à 4 roues. Là on a vraiment un engin ultra atypique. Et c'est pas extraordinaire comme poussée. Ça marche bien comme une petite GTI. Mais ça transmet des sensations qu'on n'a pas avec les autres voitures. On a le son qui est juste là derrière. On a vraiment quelque chose d'autre. Et c'est ça le plaisir. Et quand on arrive en virage, justement on se dit que c'est beaucoup plus engageant. Niveau freinage et autres, niveau tenue de route, on n'a qu'une roue à l'arrière. Et... de plus qu'il faut essayer. Si vous avez le budget pour ce genre de voiture plaisir, vous dites bon, je peux me permettre. Je pense que c'est le genre de voiture à avoir une fois dans sa vie, clairement. Et puis même à garder, la cote des anciennes, elle garde le prix quasiment du neuf. Et ce genre de voiture est vraiment amené à disparaître. Donc je pense que ça vaut le coup. Je pense que c'est quand même très intéressant. Bon, on a une belle route, on va pouvoir se tester un 0 à 100. C'est parti.
marche plutôt pas mal, hein. Ça pousse. Bon, j'espère que cet essai vous a plu. En tout cas, c'était un grand plaisir à bord de cette voiture, cette Super 3. J'ai adoré le regard des gens, c'est extraordinaire. Et j'avoue que lorsque j'en vois, je suis comme un gamin et je me dis, ouais, y a des gens qui roulent avec ça et c'est vraiment la base même du plaisir. Même si on a vu que côté dynamique, bon, ça s'emmène un petit peu, mais c'est pas forcément fait pour faire du circuit ou autre. On peut quand même se faire plaisir en roulant à vive allure, mais pas forcément de façon très sportive. Après, je pense qu'on peut le faire, il faut quand même un vrai coup de main. C'est une voiture qui est neuve, j'ai une concession, le but c'était pas de la casser aujourd'hui, mais il y a de quoi s'amuser, on peut se faire quelques petites glisses du train arrière. Par contre, ayez un bon coup de volant, parce qu'il va falloir y aller, surtout qu'on n'a pas de direction assistée. Bon courage, mais... Bah, c'est comme toutes ces voitures-là, je pense qu'il m'en faut une. Il me faudrait un très très grand garage. Et surtout que vous vous abonniez tous à cette chaîne YouTube, que je puisse un jour m'en acheter et que je change ma Saxo, quoi. Parce que j'avoue que j'aimerais bien en avoir une quand même. Juste pour le côté vraiment plaisir, partage, emmener des gens avec moi, faire des balades. Bah, vraiment, c'est la voiture dont on n'a pas besoin, mais dont on a vraiment envie. Et bah, c'est ça en fait, cette voiture. C'est ce côté... J'ai besoin de plaisir, j'ai besoin d'un truc atypique, je veux me différencier des autres. Bah là, vous avez vraiment de quoi faire. Bon, si ça vous a plu, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire s'il y a d'autres choses, un petit peu du style même, hein, que vous voulez que j'essaye sur la chaîne. Je ferai mon maximum et puis si ça vous tente, peut-être faire même la Morgane plus 6 ou la plus 4. Je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, merci encore à Beaumont Automobile, merci à vous de me prêter cet engin et puis de faire partager à tout le monde. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.